Eh bien, bonjour et bon sabbat à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre programme d'adoration. Merci Seigneur pour ce moment qu'il nous permet de passer ensemble en sa présence. Que l'Éternel vous bénisse. Nous espérons que vous avez passé aussi une agréable semaine en sa présence. Merci et bienvenue à ceux qui nous suivent sur nos plateformes YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, ainsi qu'à ceux qui nous suivent à la radio. Sans plus tarder, nous allons commencer avec une belle louange. Bonne écoute à tous.
répands ta grâce en moi. Ton amour a rempli ma vie, à toi seul revient la gloire. Laisse les eaux mugir, laisse la terre trembler, ô son puissant de Amen. Et merci Seigneur pour ces belles louanges entonnées à sa gloire. Eh bien, chers amis, nous allons passer à un autre temps de louanges dans lequel nous allons retrouver nos lectures bibliques, notre histoire missionnaire ainsi qu'une prière. Bonjour tout le monde et bon sabbat. Nous sommes heureux, la team du CMA et moi-même, de vous souhaiter à tous la bienvenue. Eh bien, nous allons commencer notre programme, nous allons continuer notre programme avec des louanges à la gloire de notre Dieu.
Et notre premier chant que nous avons choisi pour louer notre Dieu ce matin de sabbat se trouve dans le Cantique tahitien au numéro 315. Cantique tahitien au numéro 315. Ti'a ini'ai temato. Atira papu no te fatu mal, rahino atu te veru hahau, te te mato ana ete ora, ti afata ta te enemi, ti apapu ta to ini ai te mato, oye tu ne ti ana e. Aguai te vero e ti atato, a ti te vero no. A ti apapu no teme a ti a, ma te alma te paro o papu, te te mato te upo ti a. Tia ite inorahi, tia papu tato ini aite mato, oe tu me tia nae. Tahu aite vero e tia tato, a ti te tero no. Ati apapu no te paramau, maro no atuai e mea papura, e mato te horo amai te hau, ki amure te movero. Ti apapu tato e di ai te mato, oie tu me ti anae. Pahuai te vero e ti atato, a ti te tero no. Ti apapu tato e ni ai te mato, oie tu me ti anae. Pahuai te vero e ti atato, et à présent, nous allons entamer notre deuxième louange qui a pour titre « Tu connais mon aveuglement ». Nous vous invitons à chanter avec nous. Tu connais mon aveuglement, ma folie. Tout en de toi, j'ai vécu dans l'obscurité. En suivant mon propre chemin, j'ai péché. Prends ma main, amène-moi à la maison. Chargé de tous mes fardeaux, libéré, je m'avance vers toi pour être délivré. Que ta main transpercée pour moi. À la maison
vallée, délivre-moi. Amen. Nous allons continuer et terminer notre moment de louange avec ce dernier chant du Cantique Tahitien numéro 163. Chantez avec nous, s'il vous plaît, pour louer le nom de notre Dieu. Ote haere mate udo, kite upo iduara, maite rohi rohi o. Ete hau noni amaira, anada no te rahi. Ete maa maitai taira, maitai mau noni amai. Ina hate rupe rupe, ahi ona itera. Merci à tous de nous avoir accompagnés durant ce moment de louange et nous vous laissons bien sûr continuer avec notre programme. Bon sabbat à tous. Bonsoir. Bon sabbat. Yaurana, ya wawata toite yitapati api. Tatatote y urano te ypepe te rutuya yataramo, haneri ahurumaono, irabaho e tipiti. Tete oratatu. Ehin aror heitu uya Yehova, o teif ar umeita ureo, eita uyaniatu. Notemia, wafari umei oya ita natari aya unei, eiti auroa voviana, e muri no atuto uneyaho. Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans Psaume 116, les versets 1 et 2. Nous lisons. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Recevoir une éducation adventiste en Ukraine, à l'époque où elle était dominée par les soviétiques, était non seulement difficile, mais surtout impossible. La ville de Boucha, qui n'a pas fait exception à la règle, a aujourd'hui une école adventiste qui fournit un enseignement complet à tous.
C'est le premier projet de ce type dans la ville de Boucha. Si nous prenons en compte l'histoire de l'Ukraine, alors l'héritage athée fait qu'en général, il n'y a pas beaucoup d'écoles privées en Ukraine. En 2015, l'école adventiste Académie de la Sagesse a ouvert ses portes à Boucha avec seulement 8 élèves. Suite à de nombreuses prières et à un travail acharné de la part d'enseignants et de quelques bénévoles dévoués, le nombre d'élèves a augmenté et se chiffre aujourd'hui à près de 200. Plus de la moitié des élèves de notre école ne sont pas issus de familles adventistes. C'est donc pour nous l'occasion de témoigner. Les enfants apprennent à prier et à lire la Bible, et ils partagent cela avec leurs parents. Dans de nombreux cas, les parents nous approchent et nous remercient d'avoir un projet éducatif aussi remarquable, car ils voient les changements de comportement de leurs enfants. Ce qui est le résultat de la vision chrétienne du monde, inclus dans l'ensemble de l'enseignement au sein de notre école. La pédagogie de l'Académie de la Sagesse n'est pas seulement un outil de témoignage important auprès de notre entourage, mais c'est aussi une réponse à la prière de nombreux croyants adventistes de la région. Pendant de nombreuses années, leurs enfants n'ont pas eu accès à un tel projet comme celui développé par l'éducation chrétienne. Des élèves comme Sophia étaient si heureux de fréquenter une école où l'on apprend davantage sur Jésus. J'ai terminé l'école primaire que j'ai suivie dans un établissement public pendant un certain temps. Alors maintenant, je vois la différence. Je suis très reconnaissante à Dieu d'avoir la possibilité d'étudier dans une école chrétienne. Les cultes du matin avec les professeurs sur des sujets spirituels, la prière ensemble, tout cela m'aide beaucoup dans ma croissance spirituelle. Sophia suit maintenant des études bibliques en vue du baptême et espère poursuivre le reste de son écolage à l'Académie de la Sagesse. Mais il y a un problème qui peut rendre difficile l'éducation chrétienne tant désirée par un grand nombre des étudiants comme Sophia. Ce projet est de plus en plus sollicité et la seule difficulté actuelle à son développement est le manque de place. En effet, il faudrait agrandir les locaux. 70 autres familles n'ont pas pu inscrire leurs enfants dans notre établissement parce que nous ne pouvions tout simplement pas les accueillir. Votre soutien sera la réponse à notre immense grand besoin, chers frères et sœurs, et nous vous en remercions vivement, car nous pourrons avec votre aide construire une nouvelle salle. Un nouveau bâtiment leur permettra de créer l'espace nécessaire pour continuer à diffuser l'évangile à toutes les familles qui optent pour une éducation chrétienne à Boucha. Ainsi, un plus grand nombre d'étudiants comme Sophia pourront découvrir à quel point une relation avec Jésus est vraiment passionnante. Merci de prier pour l'école adventiste Académie de la Sagesse en Ukraine qui transmet la bonne nouvelle de l'évangile à des dizaines d'étudiants chaque jour. Apportez votre soutien à l'école de ce quartier par l'offrande du 13e sabbat, afin que la construction prévue serve à instruire tout autour d'elle. Votre dévouement et votre prière pour la mission dans le monde entier sont pour nous un réconfort. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, tu as vu cette école, tu vois cette école, Seigneur, qui accueille aujourd'hui de nombreux enfants. Grâce à toi, grâce aux prières, grâce aux miracles que tu as fait. Père Céleste, que tu puisses continuer à aider cette école qui enseigne ta parole aux enfants, qui enseigne, Seigneur, comment adopter un comportement correct, qui nous apprend à t'aimer, à te glorifier et à être reconnaissant envers toi. Seigneur, merci infiniment pour cette école en Ukraine. Mais je voudrais également prier pour toutes les écoles, tous les établissements dans le monde entier qui œuvre pour toi au sujet de l'éducation, dans l'éducation pour les enfants. Seigneur, merci pour ta grandeur et pour ta gloire. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions et les grâces que tu nous accordes.
Et par la même occasion, Seigneur, je voudrais remettre entre tes mains l'école de Tiarama. Seigneur, aide-nous à être des exemples, aide-nous à nous rapprocher davantage de toi durant cette année et que nous puissions toujours te rechercher et te sanctifier. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais tu nous as promis le Saint-Esprit afin de pouvoir y arriver. Père Céleste, merci pour ton amour. Pardonne-nous encore nos péchés, nos erreurs, nos fautes. Que toute la gloire te revienne encore, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies, dans ton œuvre, dans l'œuvre de ton évangile, dans le monde entier. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, merci pour ce sabbat que tu nous accordes. Que nous puissions passer une très bonne journée de sabbat en ta compagnie. Amen. Stole from me and I rejoice today, for I shall
Eh bien, merci à cette équipe qui a accepté de nous accompagner dans ce deuxième temps de louange. Nous sommes maintenant arrivés à notre premier temps de prière. Et ce sabbat, nous allons fonctionner différemment car nous allons vous inviter à, de là où vous êtes, à vous remettre en prière. Nous vous laissons une minute pour le faire et voici les sujets que nous vous proposons. Les personnes malades, les personnes âgées, délaissées et les familles endeuillées. Prions. Comes a servant boy.
Eh bien, merci pour ces louanges. Les enfants, comme toujours, nous avons pensé à vous. Nous avons préparé un moment spécial pour vous, donc une histoire. Avant de passer à votre histoire, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur nos plateformes et ceux qui viennent de se brancher et qui nous écoutent à la radio. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le village de Cana. Jour de fête, ça veut dire que des invités arrivent de tous les coins du pays. Et tu vois ici justement Marie qui arrive. Marie, c'est la maman de Jésus, on la connaît. Elle vient avec Jésus, avec les amis de Jésus, pour cette fête. C'est un mariage. Jésus, nous, on le connaît. On sait qu'il a guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, fait marcher des gens qui étaient paralysés, etc. Mais à cette époque-là, personne ne connaissait Jésus. On ne savait pas tout ça. Il n'avait encore rien fait. Alors, il arrive pour la fête avec sa famille. La route est poussiéreuse, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Alors, chez qui vont-ils? On ne sait pas. Peut-être que c'était un voisin, peut-être que c'était un cousin, peut-être que c'était, je ne sais pas, un oncle, une cousine. En tout cas, c'est un jour de mariage. D'abord, il a fallu tuer des moutons, tuer des bœufs pour faire la viande. Il a fallu préparer toutes sortes de pains, du pain au cumin, du pain avec des grosses graines. On a cueilli des fruits, il y avait des raisins, des figues. On a chargé les tables. En plus de ça, on est allé acheter du vin, beaucoup de vin, parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et tout est installé. On a même mis des lampions, des lumières, des fleurs pour que la fête soit magnifique. Voilà le marié avec sa femme qui attendent les invités. Alors, comme dans tous les mariages, ils ont remis leurs plus beaux habits. Elle a autour du cou des pièces de monnaie. C'est ses cadeaux de mariage. Et ils sont là, ils sont heureux, ils sont prêts à faire la fête avec tous les invités, bien sûr. Et puis, en plus de ça, en plus du repas, en plus des lampions, en plus de la lumière, on a invité des musiciens. Comme ça, pendant la fête, on pourra écouter de la musique, danser. Oui, vraiment, faire la fête. Dans la cour de la maison, il y a des jarres. Les jarres, si tu veux, c'est des espèces, on pourrait dire pour nous, des grands tonneaux, mais c'est des tonneaux en pierre, pleins d'eau. À quoi ça sert? Eh bien, quand les invités arrivent, qu'ils ont marché dans la poussière du chemin, tu comprends, les chemins ne sont pas du tout goudronnés, ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont les pieds tout sales, alors les serviteurs les installent sur une petite chaise et commencent à leur laver les pieds pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient tout propres avant de rentrer dans la salle de la fête. Et voilà pourquoi les serviteurs puisent de l'eau, viennent avec le linge de bain et essuient les pieds des invités. Je ne sais pas à quelle heure la fête a commencé. Mais en tout cas, il y a un moment qu'elle dure. Et puis tous les serviteurs sont autour. Alors madame, est-ce que vous prenez encore un petit peu de vin? Vous voulez un peu de gigot d'agneau? Non, plutôt des fruits? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs se regardent. Dis, tu as encore du vin toi? Non, moi j'en ai plus. Mais moi non plus. Le marié n'a pas prévu assez. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas faire ça aux invités. On va le critiquer, la fête est ratée. Et puis Marie, elle a entendu, elle tend l'oreille. Alors elle se lève tout doucement, puis elle va vers Jésus, elle lui dit, hé, Jésus, tu sais quoi? Ils ont plus de vin. Mais Jésus, qui n'est pas encore connu, peut-être qu'il a envie de passer la fête tranquille. Alors il dit à sa maman, oh, écoute, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais peut-être que Marie, elle insiste. Mais je t'assure, ils n'ont plus rien à boire. La fête doit être ratée.
Alors Marie, elle connaît Jésus. Elle doit bien se douter qu'il sait faire des choses extraordinaires, même si jusqu'à maintenant, il n'en avait pas faites. Alors, elle se lève tout doucement sur la pointe des pieds sans déranger personne. Elle arrive vers un serviteur et puis elle lui dit « Allez vers Jésus. Et puis vous allez faire tout ce qu'il vous dit de faire. » Alors, le serviteur va près de Jésus. Il le connaît, c'est le charpentier, celui qui construit des maisons. Il se pose bien des questions, bien sûr. Et Jésus lui dit, écoute, les grandes jarres de pierre dans lesquelles vous mettez de l'eau pour laver les pieds des gens, vous les remplissez à ras-bord, et quand elles sont pleines, vous remplissez les cruches et vous venez servir le vin à boire pour les personnes. Alors là, bizarre. Donc ils se sont dépêchés de remplir les jarres, ils les ont mis jusqu'à ras-bord, et puis ils ont pris leurs cruches, ils les ont plongées dans l'eau, ils les ont ressorties, ils sont allés à table. Alors madame, encore un petit coup de vin, monsieur, encore un petit coup de vin, et il leur a servi l'eau des cruches. Non, du vin, mais du vin qui était délicieux, encore meilleur que celui d'avant. Alors celui qui dirigeait la fête, il est allé vers le marié, il lui a dit « Mais dis donc, ton vin extraordinaire. Et pourquoi tu l'as sorti juste maintenant quand les gens ont un peu trop bu? T'aurais dû le mettre au début. » Personne, sauf Marie, sauf Jésus, et puis les serviteurs, savaient que le vin venait des grandes jarres pleines d'eau pour se laver les pieds. Ça, c'est le premier miracle de Jésus à Cana en Galilée. Mes peines, agneau de
Eh bien, merci pour ces louanges. Merci Seigneur pour ces louanges. Nous sommes maintenant arrivés à notre deuxième temps de prière, d'intercession. Et comme pour notre premier temps, nous vous invitons à, de là où vous êtes, à vous remettre en prière. Une minute, toujours. Et les sujets que nous proposons sont les suivants. Le personnel hospitalier, les ouvriers de la sécurité, les associations, ainsi que les centres d'accueil. Prions.
Oh.
Amen. Notre Jésus revient bientôt et il apporte avec lui une récompense pour tous ceux qui auront gardé les yeux fixés sur lui. Bien, chers amis, nous sommes maintenant arrivés à notre temps d'étude de l'école du sabbat. C'est entre les mains de nos pasteurs et de notre frère Georges que nous vous laissons. Bonne étude à tous. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bon sabbat à tout le monde. Nous vous souhaitons donc le meilleur en ce sabbat matin. Nous vous rappelons que nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement et que nous avons deux pasteurs avec nous, avec notre technicien, et nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence. Nous vous souhaitons donc le meilleur en ce sabbat, que vous soyez les bienvenus, que vous soyez donc attentifs du début à la fin de la parole de Dieu, en tous les cas à l'écoute de la parole, du partage de la parole de Dieu. Que vous soyez sur les plateformes, soit YouTube, Facebook, Twitter, que vous soyez aussi sur les différentes fréquences de la radio La Voix de l'Espérance, là où vous êtes, une très cordiale et une très chaleureuse bienvenue à vous ce matin. Bienvenue aussi à toi, Mauna, donc le technicien du Centre Média Adventiste, avec les autres techniciens, toute l'équipe aussi qui est derrière, parce que nous avons encore maintenu ce direct à partir de 9h. Et ne débranchez pas, ne vous déconnectez pas lorsque nous aurons fini le partage de la leçon de l'école du sabbat, parce qu'après viendra un témoignage de la chorale aussi, des clips aussi, et le message que nous attendons tous pour ce sabbat aussi. Bienvenue à nos pasteurs, donc Yorana, Tatato, Ormetua, Herhia, Maruru, Ya oit tapar amait e tapati pepe api maruru totato farire ai amait e hia tia tua roto tatato farire ai te pepe. Maruru mete i te zoz, yorana ya mait i tatu i te pepe tapati, e te aturi ne iau a hamani mait e wa, ne i mait tia tua te te mo hamani mait e i to i totato rar atro a te hepe toko, e hamaru tatu no tiem hana tapati. Yorana atoa ya oi shorosh e ya mauna te pupu sema. Yorana mite i te pupu i tapati. Totato ormetua te hui yorana atoa te pupu i tapati. Hau atua o tou a haua te tamaua te e tatatu whanhoa. Naruto te monra e ana tinara orera naruto tatatu ratiu. Yorana e ya meit e o tatu. E te roa au te mahana tapati e te roa a tatatu akarama. Maruru, maruru mete, orumetua, herehia. Pasteur Tehuyari, bonjour, bienvenue, bon sabbat à toi et merci d'être là, et nous aurons un bon partage ce matin et nous voulons remercier le Seigneur pour ce partage et pour la présence des uns et des autres et surtout ta présence. Merci et bienvenue encore à toi. Oui, bon sabbat Georges et puis bonne année aussi, hein, bon sabbat. C'est vrai. Tous ceux qui nous rejoignent ce sabbat matin. Et puis, nous sommes heureux avec toute l'équipe du CMA, avec Mauna qui est là, Pasteur Helia, de pouvoir partager avec vous ce temps de la parole de Dieu et qui nous parle du prophète Ésaïe, de Dieu et du peuple de Dieu à l'époque. Donc, encore une fois, merci Seigneur pour ce moment. Merci, merci beaucoup, Pasteur Tehuyari. Hein. Donc, effectivement, hein, on se revoit pour la première fois à cette nouvelle année. Donc, voilà, quand les quatre groupes vont passer, à ce moment-là, la bonne année sera finie, en tous les cas, les bons voeux, en tous les cas. Merci beaucoup. Cette semaine, nous allons voir donc toujours ce
thème « Consoler mon peuple », nous allons plonger nos regards dans le livre d'Ésaïe, en particulier ce trimestre. Et voilà, le titre de notre école du sabbat de cette semaine, c'est « Crise au gouvernement ». Bien avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Tehuyari de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup. Merci, prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce sabbat, ce moment où nous pouvons nous retrouver en famille avec ton peuple et pouvoir t'écouter, méditer, partager, réfléchir sur les bénédictions que nous avons reçues tout au long de la semaine et réfléchir sur ce sujet que tu nous mets dans nos cœurs. Sois avec nous encore ce matin par ton Esprit Saint. Dirige-nous, éclaire-nous, convainc-nous et que ta volonté soit faite. Bénis chacun d'entre nous, les techniciens, les auditeurs, auditrices, notre animateur Georges, pasteur Heria et moi-même en tant qu'intervenant, et que ton nom soit glorifié à travers ces paroles. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous sommes dans cette nouvelle leçon que nous avons parcourue cette semaine et que nous allons faire un résumé. Donc aujourd'hui, la crise au gouvernement. Alors, pasteur Tehuyari, nous lisons dans Ésaïe chapitre 3, verset 1, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bas de son vêtement remplissait tout le temple. » Eh bien, lorsque nous comparons Ozias, le roi Ozias, à Ésaïe, il y a un contraste saisissant entre les deux personnages. Ozias a voulu toucher à la sainteté de Dieu et Ésaïe laissa la sainteté de Dieu le toucher. Comment se faire toucher par la sainteté de Dieu? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari, pour tes réponses. Oui, merci Georges. Alors, on voit hein, le contraste ici qu'on voit par rapport à la sainteté avec Ozias et Ésaïe. D'un côté, le roi Ozias qui veut on va dire, faire quelque chose qu'il n'est pas autorisé à faire. À l'époque du peuple d'Israël, il y avait le sanctuaire et seuls les prêtres étaient autorisés à officier dans le sanctuaire. Et donc, le roi Ozias, certainement par orgueil, eh bien, a voulu faire ce qui lui était interdit. Il a voulu officier dans le temple et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a certainement voulu avoir une bénédiction qui était seulement possible à travers les prêtres. Et donc, il est entré dans un territoire qui lui était interdit. Donc, et en contraste avec Ésaïe, qui lui, d'une manière humble, a vu en vision le trône de Dieu, s'est humilié, a vu combien il était malheureux, combien il était perdu. Et ce contraste entre l'orgueil du roi Ozias et l'humilité d'Ésaïe nous amène à comprendre la manière d'être béni de Dieu, d'être accepté de Dieu, d'être utilisé, même pas dit, on le verra tout au long de l'école du sabbat. Hein. Mm-hmm. Je pense que la meilleure approche, c'est de s'approcher de Dieu avec l'humilité de cœur afin que Dieu puisse nous accorder sa bénédiction, sa sainteté, comme on le verra dans la suite de l'école du sabbat. Mm. Merci, merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Remets-toi, Herehia, Yehiyone, et Tatou, Teye, Napiti, Tata, Teari, Otea, et Te Perofeta, Itaïa, Teverepeho, et Aer, Aerotupu, Yaraoua, Wahinaro, Teari, Otea, Yahi. Nana harumaite te moara e te perofetara wovehona te moa ia fa'i mai ana na hep e tatou e diromia otea ia veiho te moa o ietu o te moa o te fatu harmeiro toia tatou maru.
Maruru me te George troar au te he pe tobo wa tua ta papa me ta to te puta itaia e te pene ono e te rawa me te pene ta ako e ka tatoura i rawa tarat ei tato i rawa tamu i rato i a itaia te pene ono i rawa matamu te na ora ta tato i rawa itai o ahatuo i te matheiti poe i te i rawa utia he o atura wau i a Yehua i te parhei a itia i te torono tetei e te tenteni. E wa iho e te hiero i te hiti ahu rorua nō nāra. Tenei, te ta e a e rutupu i te i utia e te profeta i teia. O i te tato a amua, mi te peu e rove me tato te pararepo meno piti, pararepo meno piti, e te pene piti ahuru maonoa, e i te tato e hatu hupa tuku e te ora au te ar i utia. E te hupa hau atua, te hupa hape, tāna irawe, e irawa ohe ahuru maonoa, e roto te parare mōmeno piti, e pene piti ahuru maono. E te tātou wa o teie nahe prone, teie wau raheia, e roto te paha o te ar i utia. E te tēroa a, e te whanho a, e te opua a te te ohipa, e te iau i ana i arawe. No te mea wa a ehi a te e mo uhipa, na te tei mo tata. Ta te ar i uhipa, a te reno a ona tinu, a te pe au an uf e hau ane, te pe au toti are ane, te pe au no te tapi ho ora. Tara no tana wha. Tarara, wa okua ro te ar i utia i te rawe a te tei mo uhipa, e te iau i ana. E opani eta rohi e iana i te rawe ati. Tenei, e ari hoi, nā wei e opani iana e te rawe. Pene e wa maka atua o nā e, pene e ha mei e mei te atua iana. E te tātou e ite, ha? Tarara, wa ite tātou e hatu hupai tupu, ya tei o nā tātou te pararipo meno piti. Pene piti ahuru maono, e mei te irawa hoi ahuru maono i tehtu tūpea. E ite tātou e ihi a te ia i te repera e poe atua, ha? Tenei, te weira tā au teo, tā au tā vauheie, te heu aho mea to te ari, te heu mea to te ari, o te tūr e iana e trawera, tā trahu. E hei nā me tātou nusuia i teia, e tātou i teia e hupai rawe. Tāna anō e hupai rawe, a he ar a iana mua tōna atu. E te a i a ia e, ai te, e tāta harano o. Tāra te hupa tāra ue rau. Tēnen he tātou i te tēnei tā e arutupu nā e porowa nā eito no atua warawe utia te te hupa i ito. E porowa rutupu nā eito no te atua. Te vera tā e a tirito i a te a au teitei o utia e a au heha o i teia. E tato o i teia i ani no e i a ianen he tāra moa au te atua e harimin cho i ana. Eita, e hupa no tāna i roi, a he hae an. E wā tāpiti mei, wā apiti mei, te mō mea atō, hau atua, hana o te atua, iso i an. Are ara no utia, eita, nana e titou hare i mua i te hana o te atua. E hupa hape tāna i rami. Tāripe, e hui meni no tātō te pēpē. Te hapi ararei no tātou. Eo tātou ia aiha tātou. Ia noa mua i te atua. Emi te pau e pau mei te atua te tei. E ti papa tu, e ti papa uiraro e. E tāpu e o tō umata, no te mea, e atua tara. Me tāpu tāna i tātou aiha aiha tātou muane tā tātou whiti tamari. Muane tō tātou mō mea. E re me ohi. Poro pai te tepea me ohi, poro pai te tepea ere me ohi. E te titou hia mere tātou. E te rite te anau tētou, e te a au hea. E mana waneo ia ora nga tātou te teora āmitara, e tāpiri mei te atua, tra hana tō te atua, i roto i tō tātou hata. Tāri pei tō tō mō mana au, tō tō mua ata tātou paraparu. Wala, merci. Maru mai te oru me tua. Hérhia, voilà, on a bien vu, alors les pasteurs en tous les cas, vous avez bien vu que je suis parti du verset de base. Revenons un petit peu en arrière, hein. Non,
dans la lecture, nous allons en avant, mais voyons un peu ce roi Ozias qui a été mis en place, qui a été intronisé à l'âge de 16 ans, hein, donc un jeune fidèle à Dieu et tout. Et arrivé à un moment de sa vie, l'orgueil, hein, comme viennent de dire les pasteurs, a pris le pas sur sa vie. Et donc, il y a un texte dans Ésaïe, toujours chapitre 1, verset 6, qui nous dit « Rien n'est en bon état. Blessure, meurtrissure, plaie vive. Il y a une ressemblance frappante entre le corps lépreux d'Ozias et la condition morale du peuple. La question que j'aimerais poser maintenant, c'est nous en tant que responsables, Ozias était un responsable, nous en tant que responsables, sachant que l'état spirituel de notre famille, l'état de spirituel de nos membres d'Église dépend beaucoup de notre état spirituel, comment faire? Est-ce que nous réalisons l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Oui, merci, Georges. Alors, comme pasteur Heria l'a souligné, hein, dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16, hein, donc c'est d'ailleurs dans tout le chapitre, on nous explique, hein, qui est le roi Ozias. Et comment est-ce qu'il a régné, on va dire, dans les débuts, hein. Il a régné plusieurs années, il nous dit, si je ne me trompe pas, 52 années, hein, de c'est règne. Et puis dans tout ce temps-là, Dieu a été avec lui parce qu'il était aussi, Ozias aussi était avec Dieu. Donc, ils avaient une relation étroite l'un avec l'autre. Et on voit à travers l'histoire des rois d'Israël que quand le roi était avec Dieu, ben le peuple suivait aussi. Donc le rôle du roi, du leader, était important. Il avait une grande influence sur le peuple en lui-même concernant l'obéissance à Dieu. Et c'est une leçon pour nous aussi aujourd'hui, pas simplement en tant que chef, même en tant que responsable, au sein de notre foyer, en tant que parents, hein, nous avons une influence sur nos enfants, notre femme, notre mari et tous ceux qui nous entourent. Quand le papa, quand les parents sont avec Dieu, ben, naturellement, les enfants suivent aussi. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, comme on voit dans la parole de Dieu, mais de manière générale, quand le leader est avec Jésus, est avec Dieu, ben, tous ceux qui sont avec lui, ben, ils suivent le mouvement. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Ozias. Malheureusement, ben, à la fin de sa vie, ben, il s'est enorgueilli. C'est le verset que pasteur Heli a partagé dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc, chose qui était interdite à toute autre personne que les Lévites, que les prêtres, ben voilà, par orgueil, se sentant certainement puissant et tout permis. Et donc, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et c'est peut-être une leçon pour nous aussi quand on est dans des moments de prospérité, dans des moments où on se sent bien, on a un certain confort. Eh bien, on commence à se dire, ben, que finalement, on n'a plus besoin de Dieu, on est permis de faire ce qu'on veut. Eh bien, non, qu'on soit dans les mauvais moments et surtout dans les bons moments, il faut continuer à se soumettre à la volonté de Dieu. Merci, merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Rometo Herhia, Yehion Epei Tato Teorarap et O Tehiyari. Ja meit ja fatatan on op iho te tu puet o mei te orar a far o te nun a ja te an on ei te tu o ate at o te nun a te tu te ure pete ja iho ja ta tu te iho poia no te afai no te ja purura ta ta tu mo mero e tari te ta ta tu o pufeti ta ta tu mo tamari ta ta tu hinea e ni hopa i te i e hopo ia, ni hopa i te i e wha,
Ninhea ni oe fatame atato we nahia pe tato we yea pe patore maruru or metua herehia. Maruru metero te wira jos. Intimitato te huru utia. Ite teme oia imi e tiaro te tua. Orera. Parapara utia tua, orera whaa oa I te mou hin aro atu o ta tia tua I hin aro, ko tōna puput ata, I te rara teime, en hep tā o paro, te ora a te pēo a rua, e te teo atua mo pēo te ora a, mo tuha o te ora a, te ora a te pēo a rua ne, te ora a te pēo tapiha ora, te pēo a ne no te paruru a, te nuf e hau, pauro taramo tuha a to te ora a, wa meit e meit, no te ha. No te mea te whaatere, arera te rātira, te ar isu, te eisho o nei tia tū. E ia I te tātou, te teime, whāroe tia tū a tara ati a tōna, e tōna atua, te teime whāroe o nei, I te tātou e topa o te mū. No te ha. E ia tātou I hāmoe tara rātou, so e ar I, o nā te mana, in etmo mea o to eire to tu mua. En he no tāna e paru e tapar heu hā koe o iana, reno te te hi ora. Te hi ora no tawita e uria, te ari. Te roto te ora o te e tata I tō narimu. En he tato e paru, to e ar I trarato, te roto I tō narima, te ora o te e nun ata ato. Tenei papu, Me te pau tea I te piheho o nei te atua, e a piheho ia te I, te inuna. Me te pau ra tea I me hātea o nei te atua, e a piheno to hoa te inuna, o te ha. O te mea te matauta o rarato te I a I, tene te tei te I hap I anō tātou. No tātou, no uisho nei, e orometua a paraparotu nei tātou te pau pau tapati, e hap I ato o te inou. Me te pau hin aro o e arat ei te te tatatau mo e taretia I te pai awai o ietu. E au nā mua roho I a whātiti e wharo to ura ka e I a ati tara ati a tou e tou atua. Tara atira. E au I a tara atira a I a nia niu hia iso te mato, iso I a ietu. E manaona e wo I a niu eme, noa tua e tare tia tātou, e orometuane tātou, arera, atere tātou no te temo de parte morto e tare tia. Pouru o tāramo atere, e o tāramo atere, ia ati tōrato ati a e tōrato a. Tra orar a pēwhāo, e rau, e au e arato e hap ome tei, tra orar a pēwhāo. Koto mea nā tāra, nien he tātou e aroe, te mō teime fifi, e I te tua tātou e tātou tua tāpapa. Me trara iau tā o e wira no tātou tētou. E iau ia tātou nao. E iau ia tātou ia riro tara rātira, tara whaatere ane, orea tara perititini ane, tara orometu ane, o te niuhi e nisho tina aro to tātou atu. Tētou tā tātou e ora ne, e protu e George, me fifi. Me fifi nisho te parau no te nahea parau ane. No te harerai ai tuitu te teit ata ane iso tōna pēwarua. No te mea, nien het oa ona e paramai ia ue, e orometua, oho, oa ki opo ome te iwa ia ue nāmu. Te tāra tātou taraho a ferurira, parupai o nātou te rofrani la pensée post-moderne, tāra ferurira e hei ana ue paramai, ataharano to oe, ataharano oho, I hei ana ue paramai. O te arupa I tātou tara whaito. I te tau matāmo ni heo paru hanere matahiti pahe muri tātou, e I tā. Me whātura me tātā te paruna te atua. Me auraro me tātā te paruna te atua. Te tau, hare o e wharere I tomo nā tōt mūtua whare te tātā hina aru a wha o te paruna I etu. Tenei, nā whea I a tātou, I riro e tara aweane, tara rimaane tō te atua. Unerano ne I te matahiti piti tau tini piti ahu maho e, ha? Tenei, koe tarau e mata mo, e iau tōu ati ana mo, e tōu atua, ia vai tā maunua,
ite mumhana e para o e mite pe tatu e re narira tatu no tu ai tamar i tatu ite e to tama me e ni wa tu ta papa me tatu te promo te hapira edukasi e ha mata tatu te te ta hira mite pe na ro tatu i riro e pen e fateri e pu e fateri tatu no tatu ora io to tatu ia narira tutu tatu mu tu fare tatu mu vahira vela hipo ko wa tu ai tatu i tari Tēnī te te mau pahanora, iau tā oe wira, no tā tō tieta. Maruru, maruru mai te orume tua, no tā oe mau pahanora. Alors, pasteur, te huiari, nous avons parlé un petit peu de sainteté, mais là, on va y aller franchement. Alors, Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Qu'est-ce que la sainteté? Est-ce qu'on est amené aussi, nous? Est-ce que le Seigneur nous demande d'être saints? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Oui, merci, Georges, pour ce passage d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 1 à 4, où ici, Dieu se révèle à Ésaïe à travers une vision, et Ésaïe voit des séraphins, il voit le trône de Dieu. Il voit, il entend en tout cas les séraphins crier « Saint, 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 l'Éternel » et puis tout ça dans une ambiance terrifiante puisqu'on nous dit que les portes sont ébranlées, les fondements, la voix qui retentit et il y a de la fumée. Donc ce moment fait penser en tout cas dans l'Ancien Testament à plusieurs moments. Un des moments fait référence au moment où Dieu descendait à travers la nuée dans le sanctuaire que Moïse avait bâti. Donc c'était un moment solennel, c'était un moment terrible, c'était un moment où chacun se remettait en question. Donc Dieu était là et il fallait être en règle avec Dieu. Donc quand Ésaïe voit cette scène, tout de suite il fait le lien avec ce que la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël à travers le sanctuaire. Et ça fait penser aussi au moment avant que le sanctuaire terrestre ait été construit par Moïse, au moment où Dieu se présente au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, où il y avait de la fumée, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres. Et c'était aussi terrible, c'était terrifiant, jusqu'à un point où le peuple d'Israël demande à Moïse de parler à leur place, tellement ils sont terrifiés de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. Et donc, Ésaïe se retrouve face aussi à cette gloire, Ésaïe se retrouve face à cette présence de Dieu et qui le met face à lui-même et face à Dieu aussi, ce Dieu qui est élevé, qui est pur, qui est saint, qui est tout-puissant. Et les anges le disent eux-mêmes, qu'il est trois fois saint, c'est-à-dire c'est un Dieu à part, il n'y a pas comme Dieu. C'est le seul Dieu, c'est le vrai Dieu, et il est notre Dieu. Et donc, par rapport à ta question, qu'est-ce que la sainteté? Dans la parole de Dieu, quand on parle de sainteté, Dieu est saint. Et ce qui veut dire que... Et comment est-ce que Dieu est saint? Il est saint du fait qu'il est amour, qu'il est juste, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, qu'il est pur, qu'il est droit. Et Dieu nous appelle aussi un peuple saint. Donc, nous aussi, nous devons représenter les caractéristiques de ce Dieu qui est saint, qui est amour, qui fait les choses justes. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à obéir. Nous sommes saints parce que nous obéissons, nous reflétons le caractère de Dieu. Ce caractère d'amour et la sainteté que Dieu manifeste à Ésaïe ici, c'est aussi pour
nous amener à comprendre que ben, nous sommes appelés aussi à être saints comme ce Dieu et à partager la gloire de Dieu autour de nous. Donc, tout ça pour dire que à l'époque d'Ésaïe, alors que la situation économique, situation au niveau administratif était instable, Dieu va présenter un message fort à Ésaïe pour lui dire que je suis encore au contrôle, ne t'inquiète pas, je suis assis sur mon trône dans les cieux et je suis au contrôle de l'univers. Donc, qu'est-ce que ce problème de perte de roi? Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, un message encourageant par rapport à la situation que vit Ésaïe à son époque. Merci, merci beaucoup, pasteur Tehuyari, pour ta réponse, en tous les cas, pour concernant la sainteté. Orometua herhia, yatayonem eita touti iti mou idawar touti iteia peneono, idawa hoe tatut idwamha, te prohir eite prono teie muara, toru muara o teatua, e hape iteie. Na oa era e mua, e mua, e mua o iho wa tapauta. E wa i te whenua o nei i tōna rā hanhana. E hape te taui with Azos, e hape e te mua, te mua ta. E iau taui with a. Mi te peo e pahono tu o te ie with a taui Azos. Te mua ta o te atua e shoi. E no te yanini tato te tatara eha te moata man on e au te pipu i tapati e au ia tato tua tapapa o wei maua te atua. E ha maua te muhuru o te atua. Te atua te te mauwahi atua. Te atua te ite te maumea atua. Te atua te whaatere te maumea atua. Tra atua aroho. Tra atua parautia. Tra tua aforu, tra tua here, tra tua poete, tra. Mi te peo tatara tu o te i tau moa, e tatara tu e o tūru o te atu. No te ha, o te mea, e te tatonen he, e tū te tei, te tei tau niso te i parau moa, no te mea, tatou so, nen he parau me hapa tatu. E te tatou tō roto tara wahi. Me te pehina aro o tatara te tau moa, iu ia tatou tua tapapa me te tūro te atua. Iha tatou haa moe, te atua, e atua arofa tō tatou. Poie te teo, harimei raro, pa arepo tōna rima. Iroto te ie vari, no te hamani ia tatou, pupui te ahora, tra atua, te moa. E iha moa tra, topa te ia oro tō tara, iha te hupa tāna rawe. Hamani ona te tei, opua o nā te tei opua anō te ha, o te whaora ai a tātou. Me te peo e tātara tū o te moara, te tei te tei te ie parau, ai te tara e o i roto. Te parau no te hara, ai te tōna parau roto. Te parau no te poiri, ai te tōna parau roto. Te parau no te feii, ai te tōna parau roto. Te parau no te aro a ore te mani a toto e te tona parau roto. Tara pe ia, mi te pewe na aro o ho oa te tei, te tei tatara anu te ia tau. E iau ia tatou tua tapapa, te huru mau o to tatou atu. Ia tahua tapapa tatou, ia ite tatou, te ie, mi te ie te atua. Io tatou mara mai, e ha teo atara parau moa, e moa. Tatara na, tatamata no e ho oa te tei o te teime e wharere e mōte i te atua e te mōua ino tīnei. Anitura mōte, hinaro ona i te tanahana. Tanahana,
o te atua. Ora rea te mata o te atua. Tēnā ora te atua e aore te matata atani he ehi o te uaro. No te mea e pohe. E paramo no te mea e te atahara no tātou. E mi tau poro hora, mi te pewe tatara tu o te o te moara, e te poho e tōra tō, to tō tara o mo e te poho e, e tu i anai rāpai. Te parau no te poho e tu tō i anai rāpai. Parau no te moa, no te harahana, ti roto pōuro, here ti roto pōuro. E a tatara me e tātou tara tō, e au i a tātou tua tapu pā te parau, no tō tātou atu. Tari pe e te temo pāhono a, no te pāhono tā ueui a, Maru, maru mai te i orume tua herhia, no tāo i mōpua honoran, i hau te i et ao moa. Alors, pasteur te hui ari, no, Isaïe, la suite du texte, hein, Isaïe chapitre 6, verset 5 à 7, nous lisons. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché mes lèvres, a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Voilà le prophète qui a dénoncé le péché du peuple. Et aujourd'hui, il se trouve devant Dieu et il se rend compte de son état de pécheur, qui n'est rien, qui n'est, voilà, hein, qu'il est perdu. Et il se rend compte que son péché est enlevé, son iniquité a été expiée. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là, pasteur? Comment on peut passer de l'état de pécheur à l'état de, eh bien, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Alors, la suite hein, du chapitre de ce qu'on a vu, hein, la suite du verset 4, hein, donc on voit ici, quand tu l'as lu, on voit ici le résultat de quelqu'un qui se retrouve en présence de Dieu. Quand nous rencontrons Dieu, que nous réalisons qui il est réellement dans toute sa gloire, quand on réalise son amour, hein, pas simplement son amour, mais sa puissance aussi, on ne peut qu'être émerveillé et surtout réaliser sa petitesse. Combien est-ce que nous sommes insignifiants, combien est-ce que nous sommes sale comparé, surtout en tant qu'être pécheur, hein, depuis que Adam et Ève ont péché, combien est-ce que nous sommes éloignés de Dieu, loin de ce que Dieu nous demande. Et pourtant, Isaïe est un prophète, ça fait déjà un moment que Dieu l'avait appelé, il a déjà exercé au nom de Dieu, et le voilà après quelques années de service, et le voilà face à cette vision, et il réalise réellement qui est ce Dieu. Et pourtant, Dieu lui parlait déjà, il lui a déjà confié des messages. Mais c'était le moment où certainement Dieu avait compris que ben, c'était le moment pour lui de se manifester de cette manière-là. Et donc, le résultat, c'est que Isaïe voit combien est-ce qu'il est malheureux, il voit combien est-ce qu'il est perdu. Donc, une leçon pour nous aujourd'hui, c'est que Si nous voulons amener une personne à la repentance, si nous voulons amener nos enfants, nos familles à une conversion, la meilleure façon d'amener les gens à la conversion, c'est de les amener à contempler Dieu. La contemplation de Dieu ne peut que amener les personnes à un sentiment de qui est Dieu et de qui nous sommes. Et un sentiment de notre état de souillure et de notre besoin d'un sauveur. C'est ce qui s'est passé avec Isaïe, c'est pour ça qu'il s'est écrit « Malheur à moi, je suis perdu, mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées ». Heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là, on nous parle de ce séraphin qui prend cette pierre ardente et qui touche les lèvres d'Isaïe, et on nous dit que son péché est enlevé. Son iniquité est enlevée, son péché est expié. On voit ici, en fait,
le cheminement du chrétien, le cheminement que fait un chrétien quand il, pour que ses péchés soient pardonnés. C'est-à-dire, il reçoit l'amour de Dieu, il réalise l'amour de Dieu, il réalise qu'il a crucifié Dieu, et là, il s'effondre, il se repent, il se voit malheureux parce qu'il a tué Dieu. Et donc, cette prise de conscience le touche et l'amène à demander pardon, à se repentir et accepter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu représentée par cette pierre qui vient toucher les lèvres du prophète. Et donc, une fois qu'on accepte cette grâce, d'ailleurs, cette grâce, elle nous est donnée gratuitement. Le séraphin, il vient, il touche directement la pierre d'Ésaïe sans qu'il lui demande. Et c'est pareil pour nous. Jésus n'a pas attendu qu'on crie à lui, Seigneur, sauve-nous. Avant même qu'on soit né, Jésus est mort sur la croix. Avant même qu'on ait décidé de dire, oui, Seigneur, on a besoin d'un sauveur, Jésus et Dieu le Père ont décidé ils ont mis en place le plan du salut. Et c'est merveilleux. Quand on comprend tout cela, on ne peut qu'être émerveillé et bouche bée et dire, gloire à toi, notre Dieu, merci Seigneur pour ce que tu as fait et ce que tu fais. Merci, merci beaucoup, Pasteur Tehuyari, pour tes réponses. Remets-toi à Herhia, Yehion et Tato Yetayon et Tato Teye, Mau Idavar, Doto Te et Itaïa. Peneono, Irova Pet et Ite Irova Hitu, Te Europe et Ateido Alo, Totato Tatato Profeta, Wa. Ou tu on enfin ou toro on a ton riman iho te mohara te nuna no yuta e roto te mo irawa te iter on a te fatu te tua e te iter on a tona hara tona e te ata hara ona e aite ho e tana ho e hupa mai te ia e nenhe ona e poe. Alors, na hea pa i tātou ia hi o top e mia te ie profeta ta tātou, ia ie ia te atua, e mei te ie ar i hanahana, te ie ar i moa, e to tātou, e na hea top e tātou, a whai ta tātou mu tamar i ia ite to ia ie ia te atua, e iar i moa marurume te urumetua herehia. Tajos, marurume te ino te iea, tau e uira a. I roto tatou te tumuparau no te tau i a i roto tatou hu. E tatou irawa te mene. Te iora tatou te ue te me irawa pae, tatou irawa hitu, te ia te pene ono. Te itera tatou irawa pae nā mua roa. E hata hupa ta iteia e rawe. E hata nā hupa e rawe. E whā i ona. E whā i ona e atahara ona. E whā i ona e mua tara hana to te atua. O te mea watei o meina tato irawa piti, irawa toru, irawa maha. E hata hupa e tupura i roto. Te itera iteia tara moa au te atua, tara hana au te atua. E mua taua hana, te itera o iteia tara itin e tona, tara hara tona, tara mou tara wahav i tona, tara mou hape tona, tara mou tawhetawheta niso tona ora. Te wha ira ona ia, te atua e. I te tano i au, iau hare mua tō e aro. Ora, i te tano iau e hare mua te ie tino hara. I te tano. Tene te whā i rau i te ia tra hara tāna i rau e ra. I hara te hupa i tupu i muri mai. E whā i te atua. Tra taha i a tāna i rau. Te taha i rau. Tēnā ora pēnā tō te rōwhrani le renonsmen. Tre whā i a e ia. E aore wau. E tō, e tat au e hupa fofu a e ita. Tēnei, e inaro o te atua e whāi, e teio nea tātou te irawahitu, e rawe te terawhi te ohoi, o rea te arhau ane,
et où ni se tourne en bas. Étape O, maïtiatoua, étape O, non maïtiatoua, wafa itiatoua, tra, tra huruto itiat aïana, et fa ir aïe, et moui tra harhana to tiatoua, et ataharano. Te vera tra out au prohora le renoncement, et tem aminchote irawahitu, traia prohira te taui a, te la transformation. Et taui ahi no te ha. No te hana hana o te atua. Orera no te anha o te atua. Wa aura hia, nenhe paru tatou nei. Tra ohoi ta te atua, ta te terafi e rawene. Te 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 taipe no te anha o te atua. Whaa i a te atua i i te ia, nārto te hupa tāna era. Tene te te hapi anu tatou te ipipu i tapati. Mais tu peux t'attendre à ta mettre au haut. Et tu es happy à nous t'attendre. Tu as un haha et far e eye. Tu m'as un haha à tes tes. Yaron aime t'attendre. Amaru t'attendre à toi. Attendez t'attendre à toi. Tu as un haha à t'attendre à toi. Tene. Et araya t'attendre à toi. Et t'a a une itéia et non t'attendre à toi. Pene aïe par me auto erreur me ouhi a haha. Et ne te pitu neyo te pepe. Et te hupano neya a ora te teura a no te fa i a hoa tua. Vejo tato te mano te varu o mente e te tato tato yurane no te taui ai to tato hu. E a tei ona tato te pene ono a i teia. Te vei la trataha i a renoncement, la transformation, la dédication et tano atu de mission hein tere te vera tramota haira et te tato ni ni hare direction de mission ore no tato hi ora et te tato ni ni hare port evanier mit pe to haini ni tu hanamu eu tato hare marumu e hare moi te atu far in ai te atu atahara no o prara et u to u ta at ora ro tu u ni mitati i profeta iro tete timo Alors, pasteur Tehuyari, une dernière question pour nous. Est-ce que Dieu appelle toujours aujourd'hui? Parce que au verset 8, hein, Isaïe chapitre 6, verset 8, j'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là. Envoie-moi. Donc, est-ce que le Seigneur appelle toujours aujourd'hui des serviteurs dans son champ? Merci beaucoup. Alors, comme on le voit dans le chapitre 6, hein, en tout cas, on a l'impression quand on entend Dieu dire « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» et la réponse du prophète Isaïe « Je suis là, envoie-moi », on a l'impression que c'est seulement à ce moment que Dieu appelle Isaïe. Et quand nous lisons dans les premiers chapitres, on voit que Dieu avait déjà chargé Isaïe de mission d'aller vers le peuple de Dieu. Donc l'appel d'Isaïe s'est déjà fait bien avant. Donc on peut comprendre ici que l'appel de Dieu, elle ne se fait pas simplement à un moment et c'est pour toute la vie. Donc l'appel de Dieu est constante. Et à chaque instant, Dieu nous charge de nouvelles missions. Et on peut comprendre cela aussi comme un Dieu qui ne force jamais, jamais personne. C'est pas parce qu'il t'a demandé hier qu'aujourd'hui, eh ben c'est normal que tu le fasses. Non, il est un Dieu qui est pour le libre arbitre. Et donc, il nous demande, alors, qui enverrai-je? Qui veut me suivre? C'est vrai qu'il a donné la mission, comme il a donné à travers Jésus, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais l'appel, elle est renouvelée chaque jour, à chaque instant. Et encore pour nous aujourd'hui, l'appel continue. Et l'appel va continuer encore demain. Donc à chaque journée, Dieu nous lance un nouvel appel pour une nouvelle mission. Parce que chaque époque a sa culture, chaque époque a ses problèmes, chaque époque a son contexte. Et donc Dieu a, on appelle ça la vérité présente, hein. Dieu a un message pour chaque époque. Et donc, le message doit être mis à jour, hein, pour reprendre les thèmes technologiques d'aujourd'hui. Hein. Et encore aujourd'hui, Dieu nous appelle
afin de pouvoir le servir encore en cette fin des temps. Merci, merci beaucoup, pasteur Tehuyari, hein, pour voilà, ta réponse pour nous aujourd'hui. Ormetua, herhia, yahi, on est peut-être à tout, il est tout, et taï a peine, yono, il va au, hein, te pine, peut-être à toi, ya itaïa, te imhana, te pino, nea, te à toi, ya tato, to te hare, y ravitana, ohipa, rototana, ovine. Marono metei te tā jōs, no te e wīrā, no te pahano rāi a tā oe wīrā. Te pino ne te atua mumuhana atua te te mō tāta, te te mō tāwini nōna, yanin he o nai hare nā tō te neio. Yanin he o a te mō tāwini tōna ia whātupu tōna hin aro. Watua te tau tātato e ura, tā tau tō i teia, o i te atua i teia. Etera te atua na hepo na eta te atua e hin arora e ahepo ahepo ata ta o te hin aro te tamini yan eta e ui no te atua oi te ni te te hari no tatu e o tina na ita ia hoi pahono te e o te atua te ne atono ia te ne e tu atiri e ia no te pahono ra ta ue te ira ne te atua te tamono nei a te atua te i, te ata, o te tāwini ai ana. Te hinaro ne o e mātouro i a tātou, te irawa e tō te mateio, pene piti ahuru māu, me te irawa ahuru māiwa e tētu tōpea, me mātou te di i a tātou te irawa. E tei o tu o te irawa ahuru māiwa e tei ene. E haere o tō e whāriro i te mōwhenua atua e piti. E papitito atua e iarato, i roto i te iua o te metua, o te maiti, i no te varua me, i roa piti ahoru, ma te hap i atu iarato, i te hap o i te momea o atau i parau atu ia o tou, na e inaha, te piheiro atua iho iau ia o tou, e tainu atu i te hop ea o te ene ia. Amen. Ho e ap i ra, nebe e tau aporo te epeku e tapati, ho e ap i ra, o e te hare no tatu. E pro ia tatu, eu ia tatu pahono, e te peu e ua, e wha ora tatu tarap i a, pahono, o te atua, hare wono tatu. A tono i au te mo wahi atua, tau e hin aro i au i hare. Pei nai me tatau atu te Mateo, te ie e au hanere mateiti i mua, te wha ahupa o ahone te o ietu, te nanisho ahoro i ietu te iparo, a hare ra. Naruto te maunu ato, whaariro i a rato e pipi. Tara, me tat orometo a te hui prohone, e te te atu e ahepo, e prono te atu, o e te hine ni he e haare. Me te pewe haare, a haare. E te het whaawir a haare, a papetito, whaariro rato i a rato e pipi. Te nei, i a tato ura te pahono ura te atu of ahepo, e no te pahono ura a ta oe ui a sos, e, te pino me nei a te atu te te mo tāwini. Tāne ane, veine ane, no tōna hin aro i te ano tauta tātou i wāne. Te ia te te mo pahano a, no te pahano a tā hoi mi. Maruru mai te i, maruru mai te i, orume tua herehia. Merci beaucoup, pasteur Tehuyari, hein, pour les apports que vous nous avez donnés donc aujourd'hui et même toute la semaine. Hein, il nous reste une partie hein, de notre leçon, mais le temps imparti donc s'est écoulé. La dernière partie, c'est le message qu'Ésaïe doit transmettre au peuple, leur dire que eh bien, vous avez peut-être des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez peut-être des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez peut-être de l'intelligence, mais vous ne comprenez pas. Eh bien, chers amis, que nous puissions ne pas être comme ce peuple rebelle, que nous puissions revenir à l'Éternel jour après jour, que ce soit une décision pour chacun d'entre nous, que nous puissions, eh bien, servir le Seigneur, répondre « Me voici, envoie-moi », quel que soit le lieu, quel que soit le message, eh bien, que le Seigneur nous donne cette humilité de cœur, cette humilité d'esprit, afin de pouvoir le servir en toute simplicité, eh bien, et en puissance aussi. Eh bien, nous vous disons donc que nous avons un autre rendez-vous
partir de la semaine prochaine, hein, n'oublions pas ce rendez-vous, à partir de 10h, de 10h à 11h, ce sera des enregistrements la semaine prochaine. Ensuite, nous avons, juste après, ne déconnectez pas, nous avons cette prédication, ces témoignages, cette louange aussi que nous avons préparée pour chacun de vous qui avez choisi donc de suivre le programme du Centre Média Adventiste, et nous vous remercions infiniment d'être là et de suivre et de surtout de suivre ce partage de la parole de Dieu. Eh bien, nous allons nous quitter à présent, ou souhaitant un très très bon sabbat, avec la prière de notre pasteur Herehia. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Tomato à toi, tomato fatou. Ein arone mato e patin tenito oui. Anana ya oui, te imhana tapat. E te parau ia oe moa, moa, moa oe ie hoa tapota. Tomato fatu maruru me te ino te ie tua tapapara a na mato i te ipu i tapati. Maruru no ta oe parau. Maruru no ta no to oe warua me te. Maruru no te ie aamu no to no te ari utia. E no aamu no te tamari i tara era. Maruru atua no ta oe tavini te profeta i te ie. Maruru no te ie mau hi ora. Ta o i hor o me i troa o te hepeto mai i te iepeko i tapati. Ianin he mato i a haapi. Ianin he at o mato i a ite. E ha mau to o hi aro no mato i te iepeko. To mato fatu, wa i te honei mato, te ino nei o e te te mau tawini no o. E te hin aro nei mato i te iepeko i tapati i te pahono ai a o e, te ie mato to mato fatu. A tono ia mātou te mō wahi atu a te tini. Tō mātou whatu, hamet e mei o e ia mātou. Tō mātou mō hoa o te pēmet e ra tātou, tā mātou whanho ai tī pēpē tāpati. Nani ne o e ni e tamani mei te incho ia rātu. Hamet e o e te ajoj, te e mauna, e te orumetua te hiu. I roto e tātou tāwinira. Ianin he mātou pāto, i troara o te mahana tapati, e whāteitei to oi ua, i te wahi te rira mātou. Tō mātou whatu, te e tā mātou kui. Whāore e reit au tā mātou mōhara, te e tā mātou kui, i roto te o moa. O tō mātou whatu rau i e tu metia, mātou e pore atune. Amen. C'était donc l'étude de notre école du sabbat. Merci Seigneur de nous apprendre davantage à le connaître. Nous sommes arrivés à notre troisième temps de prière ensemble, et comme les deux premiers, eh bien nous vous invitons à prier de là où vous êtes avec nous. Les sujets que nous vous proposons sont les autorités religieuses ainsi que les autorités du pays. Prions ensemble. Thank you.
I see your love. I see everything you do in my life. I see your wonders everywhere. Lord, how can it be so hard for me to learn? Don't remember. When I'm down and fall apart, take care of me. When I'm lost and so out for rest, remember me. When you come to take her home, remember. Wonders everywhere. I see everything you do in my life. Lord, how can it be so hard for me to learn? Lord, remember me when I'm down and fall apart. Take care of me when I'm lost and so out for rest. You come to take us home. So many times I failed you, Lord. So many times I strayed from you. So many times I let you down, and I don't know where to go. Amen et merci pour cette louange. J'espère que vous avez passé un bon moment à travers l'étude de notre parole de l'école du sabbat. Et bien maintenant nous allons passer à la suite de notre programme. Merci à ceux qui sont là, qui continuent de nous suivre, que l'Éternel dirige chacun de nos pas. Donc c'est un message d'encouragement qui sera tenu par notre président Roger Tétouanoui et traduit par notre frère Philippe Rohomataroa. Bonne écoute à tous et belle journée de sabbat. Célèbre.
Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon vous le trouverez au pied de Jésus. Il y a un ité, 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 il y a un ité
Quelqu'un avait dit que la peur, l'inquiétude et l'anxiété étaient nos pires ennemis. À partir du moment où nous naissons, jusqu'au jour où nous mourons, la peur est souvent présente dans notre vie. La peur écrase notre esprit, décompose notre système immunitaire, affaiblit aussi notre volonté et nous rend impuissants dans notre bataille avec l'ennemi. La peur est une grande émotion. Qui est très proche de l'anxiété. Et très proche aussi de l'inquiétude. Une chose que nous avons apprise du COVID-19 est comment soudain une pandémie peut apporter la peur au cœur d'une nation entière. Les gens ont peur que chaque personne qu'ils ont rencontrée pourrait être porteur du coronavirus et les infecter. Et chaque tout crée de l'anxiété. Et qui peuvent avoir donc le virus. Et la question pour nous alors, qui peut nous libérer de cette peur? Les Écritures sont remplies de plus de 3000 promesses. Concernant l'amour et la sollicitude de Dieu. Et beaucoup de ces promesses de la parole de Dieu sont encourageantes, particulièrement en ces temps de crise. En nous accrochant aux promesses de Dieu, nous sommes remplis d'espérance quand nous faisons face aux catastrophes. Et nous pouvons les affronter avec confiance en Christ. Lui qui se tient à nos côtés. Et nous pouvons avoir l'assurance en celui qui a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et dans l'histoire de la mer agitée de Galilée, qui nous enseigne l'importance de la foi et non de la peur. La mer de Galilée est longue de 21 km du nord au sud.
Et 18 km de large et profonde de 48 mètres. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, des versets 22 au verset 33, pendant que les disciples traversaient la mer, dans la nuit étoilée, la mer était calme. Mais tout d'un coup, le vent se leva. La mer devint agitée. Et au verset 24 et 25, il nous est dit que la barque était déjà au milieu de la mer. Et elle était battue par les flots. Car le vent était contraire. Mais à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Marchant sur la mer. La quatrième veille de la nuit se situe entre 3h et 6h du matin. Et les disciples donc ont mis les voiles très tôt le soir. Et ils auraient pu traverser donc la mer en 2 ou 3 heures. Mais ils se sont battus contre le vent et les vagues. Et cela pendant 8 longues heures. Et ils étaient fatigués, épuisés. Et il y a des moments dans la vie où la bataille est féroce. La tempête fait rage autour de nous. Et nous sommes épuisés dans cette bataille. Et nous sentons que nous ne pouvons plus continuer à nous battre. Et c'est là l'incroyable nouvelle. Où était Jésus pendant ce temps? Et que faisait-il donc pendant que les disciples luttaient contre le vent et contre les vagues? Jésus priait pour eux. Et demandait à son Père d'augmenter leur foi. Leur donner de la force. Pour faire face à la tempête. Et de leur donner du courage de continuer. Et Jésus connaissait ce qu'ils ne connaissaient pas. Dans les tempêtes de la vie que nous faisons face tous les jours. Jésus nous prépare pour la grande crise qui surviendra sur cette terre dans le futur. Les disciples voyaient la tempête. Mais Jésus les voyait. Leurs yeux étaient fixés sur les vagues. Mais les yeux de Jésus étaient fixés sur eux. Et pour les disciples, toutes choses étaient hors de contrôle. Mais Jésus était encore au contrôle. Et au milieu des tempêtes, ses yeux sont sur nous. Et quand le tonnerre est grand, il est encore puissant pour nous sauver. Dans l'obscurité, il est notre lumière de la vie. Et au verset 25 et 26, nous allons lire. Donc il est écrit à la quatrième veille de la nuit. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer,
Il fut troublé. Et dit, c'est un fantôme. Chers amis, ici le mot troublé ou peur en grec est plus fort. Et on est Et ils étaient complètement terrifiés. Et c'est là le problème. Ils étaient terrifiés parce qu'ils ne connaissaient pas. Au verset 27, Jésus va leur dire, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus est la réponse à nos peurs qui consument notre énergie. Jésus est la réponse à nos peurs qui enlèvent notre joie. Et ruine aussi notre santé. La peur est une émotion. Alors que la foi est une attitude. Et l'émotion vient et s'en va. Et il est vrai que nous ne pouvons pas contrôler nos émotions. Alors que la foi est la confiance en Dieu comme notre meilleur ami. Et de croire qu'il nous aime. Et qu'il ne nous fera jamais aucun mal. La réponse à nos peurs dans notre vie est la foi. La foi est que Jésus est là dans les tempêtes de notre vie. Et Jésus nous prendra dans n'importe quelle situation. Jésus nous sortira de l'autre côté. Et donc la peur est une émotion. La foi est une attitude. Par contre, l'objectif est un choix. C'est-à-dire l'objet sur lequel nous nous focalisons. Donc c'est un choix de notre part. Donc, lorsque nous sommes dominés par la peur, chers amis, nous coulons comme Pierre. Et nous avons peur qu'on nous oublions. Quand Pierre est descendu dans cette mer agitée, une seule chose pouvait le sauver. Ce n'est pas son habileté en tant que pêcheur. Ce n'est pas non plus sa connaissance de la mer de Galilée. Ce n'est pas non plus sa sagesse de résoudre les problèmes. Ce n'est pas non plus son habileté de nager vers le bateau. Et lorsque Pierre a commencé à couler, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Quand Pierre a crié, Jésus a immédiatement répondu. Jésus est présent dans les tempêtes de nos vies. Et il est présent quand les vagues sont hautes. Et lorsque la nuit est noire. Et vous avez remarqué qu'il y a deux cris dans ces passages. Un cri de peur se trouve au verset 26. C'est-à-dire lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur la mer. Ils étaient complètement terrifiés. Et ils ont crié. Ils ont crié parce qu'ils avaient peur.
Parce qu'ils pensaient que Jésus était un fantôme. Et un deuxième cri, un cri de foi. C'est-à-dire au verset 30. Lorsque Pierre a commencé à couler, lorsqu'il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est le cri de la foi. Chers amis, nous sommes en sécurité dans les mains de Jésus. Et nous pouvons avoir totalement confiance en Jésus. Ce qui est certain, c'est une certitude. Il revient bientôt pour tous ceux qui l'attendent. Et tout cela parce qu'il a promis. Je reviendrai. Amen. Amen. Maranatha. Maranatha. Secours-moi. J'étais errant, mais écoute ma prière. Oh, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Parfois, il faut une montagne. Une montagne, une
Notre Dieu, notre Père, Tomato Mitu et Tiaura, nous te remercions pour ce message d'espérance. Amarune Mato Yaoen Oteye Prao Horomete Tiaturi Airtu Mato. Et particulièrement en ces temps de crise. Et Horuatu Rotuite Motao Fufi. Ce message de confiance. Teye Prao Yatupute Tiaturi Nyeya. Que tu nous as révélé au travers de cette histoire. Des disciples avec Jésus sur la mer agitée de Galilée. Et tao e faite mai mer tomai te amut mo pipi ni te miti et mo mata areo te 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 hai. Et qui nous rappelle une chose très importante pour nous. Pa mon omene te te hipa fof arua no mato. Et de ne jamais oublier. E ha mato i hamo. Que malgré cette crise que nous traversons aujourd'hui. No atu te mo atita mato e orane. Jésus est bien présent parmi nous. Malgré cette crise. Et dans cet exemple des disciples sur cette mer de Galilée. Tu nous encourages à ne pas avoir peur. Parce que tu es là donc au travers de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et nous pouvons lui faire confiance totalement. Lorsque Pierre a crié. Parce qu'il commençait à couler. Seigneur, sauve-moi. Aide nous aussi à crier vers toi. Seigneur, sauve-nous. Et nous sommes certains que tu vas répondre à nos prières. Et aujourd'hui, nous pensons à toutes les personnes qui souffrent. Qui souffrent de cette crise sanitaire. Parce qu'elles sont tombées malades aussi à cause de cette COVID-19. Et aussi avec d'autres maladies. Mais aussi toutes les personnes qui souffrent à cause de la perte d'un être cher. Aussi avec toutes les personnes qui ont perdu leur emploi. Et avec toutes les personnes qui œuvrent pour soulager cette souffrance. Père, nous te prions d'aider toutes ces personnes. Et surtout de nous aider tous à nous focaliser sur Jésus-Christ qui intercède pour chacun de nous aujourd'hui et qui bientôt reviendra et qui rétablira toutes choses et surtout qui instaurera ce royaume où il n'y aura plus ni douleur ni deuil et ni même la mort. Père, aide-nous en ces temps de crise à nous focaliser là-dessus à nous préparer
aider aussi d'autres personnes à se préparer. Afin que tous ensemble nous soyons prêts. Lorsque Jésus-Christ reviendra. Ben, merci pour tout. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Qui revient très bientôt. Amen. Amen. Yeah.